Je refais OK. Là, je mets le truc. Calmos, les gars, j'ai la tronche. Merde. Allez. Ulukai, tu es blessé. C'est bon, il me l'a trouvé. Ça a mis 10 plombes, mais il me l'a trouvé. Bon. Cette fois-ci, en plus, le son, il est, il a plein de balles, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, l'intro. Ça fait chier quand même, parce que. Voilà, il y a une petite scénette. Alors, donc, il y a une scénette. C'est qui est vieux? Donc, la cinématique. Coucou, Melzekiel. C'est une catastrophe ce début de stream. regardez pas ça, c'est de la merde. Expérience. On a trouvé un moyen d'aller dans des mondes parallèles. Ça commence comme Sliders, on est d'accord. Catastrophe. On envoie une sonde et la sonde se fait tirer dessus. Et du coup, réaction en chaîne, et le vortex qu'on a ouvert se transforme en trou noir et menace d'engloutir toute la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller chercher le seul mec. Ah, c'est très scénario des années 90. Hein. On va chercher le seul mec qu'il faudrait pas aller chercher, c'est le mec qui est détesté de tout le monde. Donc, c'est un ancien mec des Navy Seals et qui s'est fait virer parce que le mec était un connard. Et on va le chercher en disant putain mec on a besoin de toi le monde va s'effondrer dans un trou noir, on a besoin de toi, il faut y aller. Et ils prennent une deux scientifiques, tout ça, et on passe le trou noir, enfin on passe le portail, et là c'est le début du jeu. Voilà, hop. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris mes explications de merde? Ou pas, et sinon faisez le jeu chez vous, ça sera mieux. Je crois pas, Doc. J'ai juste les tympans décalqués. Je ne comprends pas, Ulukai. Ulukai, c'est comme ça que les crânes d'œufs disent. Oh, bordel. C'est quoi, crâne d'œuf? Qui t'es, toi? Où sont les autres? Je suis Ogryn, chef des gardiens de l'Otai. De quels autres parles-tu? Les autres? Comme moi. Tu étais seul, Ulukai. Il n'y avait personne d'autre. Parfait. Et maintenant? Maintenant, nous allons t'aider à retrouver tes cinq mônes et vaincre Ferran et Croax. Adelpha sera alors à nouveau libre. Oh là, on se calme. Je voudrais pas te décevoir, mais j'ai déjà un monde à sauver sur ma liste. Je sais, Ulukai. Et c'est Adelpha. Pourquoi tu m'appelles Ulukai? Moi? C'est Cutter Slade. Il y a des centaines de lunes, le prophète Khazar a parlé d'un être supérieur, Ulukai, qui arriverait afin de sauver Adelpha de la destruction. Putain, une prophétie. J'avais oublié une prophétie. Pour réussir, tu auras besoin des cinq mônes qui ont dû être dispersés et cachés dans les différents. Ouais, c'est clair que musicalement, d'Adelpha, ouais. En attendant, on est un peu dans Stargate aussi, ouais. Tu as l'air d'avoir de sérieux problèmes, Ogryn, c'est ça? Mais là, il faut que je retrouve les trois autres membres de mon équipe et une sonde déglinguée. C'est ma priorité. Après, si j'ai du temps, je verrai ce que je peux faire pour toi, ok? Sais-tu comment retrouver tes amis et cette sonde? Maintenant que tu m'en parles, non. Alors, mais t'as bien niqué. Je te propose un marché, Ulukai. Je vais demander à mes gardiens de l'Otai d'enquêter dans leur région sur ce que tu cherches. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Bibi, c'est la voix de Bruce Willis. Ils me le diront. Français. Et je te le dirai. Patrick Poivet. Jadis, nous étions des milliers. Désormais, nous ne sommes qu'une centaine, et cela diminue chaque lune. Bon, si je t'aide à retrouver Simon, tu mettras tous tes hommes sur le coup pour moi? Oui. De toute façon, ouais, c'est plutôt O'Neill avec un L ou O'Neill avec deux L. Ah, il y a des mecs qui ont des références à Stargate SG-1 là. Beaucoup de Talan seront méfiants à ton sujet. Ils surveilleront chacun de tes pas. Donnette, la sonde est un grand machin en métal. Je dois la trouver en premier. C'est ça que tu cherches? O'Neill. Un sac deux à dos. L. Où l'as-tu trouvé? Là où je t'ai découvert, comme beaucoup des objets bénis par Yod. Non, la sonde est bien plus grosse que ça. Tu as dit que le reste de l'équipement est ici?
Non, pas. Lorsque les objets sacrés ont été découverts, beaucoup de Talaï s'en sont emparés dans l'histoire d'une lune. Les Yotes puissent leur venir en aide. Ils se sentent protégés. La plupart ne voudront pas s'en séparer. Mais ce sera une mission facile, Commander. Une simple opération de maintenance. Ça ne pourra que bien se passer. Bilan, la VF est exceptionnelle. J'aurais paumé mon équipage. Je ne sais pas où est la sonde. Les indigènes prennent mon équipement pour des bondieuseries. Et je suis largué en plein Plouclamb avec juste un sac à dos. Moins je tape 12 et 30 cartouches. C'est moche quand même. Bah oui. Ce que tu dis, un poil fort, ouais. Non, si par contre, ouais. Il y a Jean-Michel Potard. C'est amusé, hein. C'est quoi ce Gamsa? Ah, le Gamsa. Mais ça, c'est du génie. Lorsqu'on la serre dans la main, c'est du génie. Le Gamsav. c'est la rune qui nous permet de sauvegarder le jeu. C'était sur Dreamcast, non? Ah non, clairement, je pense pas. Hein. Vu comment ça poutrait les PC de l'époque, sur Dreamcast, ça tournait pas. Ok, laisse béton, chef. Je crois que j'ai besoin de me vider un peu la tête. Il y aurait pas un coin là? Ah, au niveau des animations, c'est assez figé, mais mettez-vous en tête. 99. Tu devrais trouver mon fils Yann. Il pourra t'aider. Lorsque ce sera fait, reviens me voir. Je t'ouvrirai la Daoka pour que tu puisses partir. Ah oh, putain, Infogrames qui fait des bons jeux, quoi. Outcast annulé sur Dreamcast. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. C'était impossible de faire tourner ça, quoi. Déjà, la Dreamcast était faite pour faire tourner des polygones. Là, clairement, on n'est pas dedans. C'est du voxel. Donc, ça m'étonne pas que impossible à faire tourner, quoi. Et du coup, faire un terrain volumétrique comme ça à l'époque, avec du polygonal, c'était impossible, quoi. Ou alors c'était vraiment trois polygones, c'était dégueulasse. Et là, on a vraiment du terrain, quoi. C'est du vrai terrain, quoi, avec des petites bosses, des creux, des vallées. On s'amuse, quoi. Donc voilà, nous voilà largués ici. Alors par contre, je vais regarder un truc. Au niveau des options. Voilà, on va baisser un peu la... On va baisser un peu la musique, qui est forte quand même. Ah, puis du coup, maintenant, le son du jeu est super bas. Ah oh, putain, mais Jean-Michel Potard, quoi. Hop, bon. Du coup, c'est clavier, c'est contrôle clavier souris. Hein. Ah, il y a des succès. Alors, ah ouais, bon, puis voilà. Alors donc, c'est le jeu d'époque. Hein. Donc, effectivement, on peut passer dans le mur. Hein. C'est pas un problème. Non, mais il y a du clipping à mort dans le jeu et tout. Alors pour ramasser les petites merdouilles comme ça, faut juste passer dessus. On ramasse automatiquement. Ça c'est quand même pratique. Il s'est barré où ? C'est de la 0,004K. Et bah en fait, théoriquement là on est en 2K. Hein. Là on est en 2K. Je joue au jeu en 1044p quoi. Donc on est en 2K. Hop, si on veut, on peut jouer voilà, en vue subjective, si vous voulez avoir la gerbe. Et sinon, on peut s'éloigner du personnage. J'utilise la roulette pour ça. Hein. Donc là, on est un peu loin, c'est un peu chiant. Mais ouais, non mais, regardez ça. Les petites montagnes. Les petites montagnes. En 99, impossible de faire ça avec des...
Avec des polygones, quoi. C'était. Donc, c'est pour ça que les mecs sont partis sur cette techno en voxel. Parce que, techniquement, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Ah, va y avoir du bug, hein. À la caméra qui est aux fraises, là. Voilà, hop, la caméra, là je l'ai perdu. Là j'ai perdu, non c'est bon. Oh, ça fait mal. Parle-moi toi. Parle-moi. Ah voilà, l'IA en fait, elle vit sa vie. Hein. C'est, ils font leur truc. Le petit scrouchy de la neige, bah oui. Non mais l'ambiance. L'ambiance musicale et tout. Ah. L'ambiance musicale du jeu, les bruitages et tout, les doublages, enfin mais ce jeu est génial quoi, c'est vraiment, enfin de mon souvenir, putain, avant de dire des conneries, dans mon souvenir ce jeu est génial. Et j'ai des succès dans le jeu en plus, ils ont rajouté des succès quand même, regardez je peux sauter. Tu t'appelles comment toi? Eh, salut! Eh, hey, machin! C'est toi, Yann? Oui, Ulukai. Je suis content que tu ailles mieux. Merci. Ton père m'a dit que tu pourrais m'aider à me mettre en jambe. De quoi? Bon, laisse tomber. J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Tu me files un coup de main? Volontiers, Ulukai. Voici 4 épreuves prévues pour entraîner les gardiens. Je peux te montrer si tu veux. Pourquoi il parle anglais? Ça français. Marche. Alors, choisis entre l'épreuve du saut, de la nage, de tir ou de discrétion. C'est quoi le but du jeu? Faire la danseuse. Eh, c'était écrit le but du jeu. C'était qu'on. En plus, je l'ai dit. C'est qu'on on répare la machine pour éviter que le trou noir engloutisse la Terre. Donc voilà. On part du jeu, en fait, c'est ça en fait. On passe le truc et on arrive directement là. Et on comprend pas trop ce qui nous arrive. Alors pourquoi les aliens là? Pourquoi ils parlent notre langue? Ah. Et monde ouvert, hein. En 99. C'est quoi l'épreuve de tir? Allez, épreuve de tir. Des pots sont disposés pour tester l'adresse au tir des nouveaux gardiens. Bien que mon père tienne encore à suivre les enseignements pacifiques de Khazar, nous avons besoin d'apprendre à manier nos armes défensives. Je vais te montrer. L'autre derrière, il fait sa vie, là. Alors, on va jouer avec des pots. Vas-y, montre-moi. Et montre-moi. Mais... Ah, touche 1 à 6 pour choisir une arme. D'accord. Je peux pas tirer? Qu'est-ce que ce merdier? Je veux tirer, moi. Ok. C'est parce qu'il était devant, en fait. Hop là. Et je peux aller chercher des trucs derrière. Est-ce que je peux ranger mon flingue? Parce que là ils vont flipper. Ils vont flipper les. Regardez. Non, je peux les tirer dessus quand même. Alors épreuve de tir, c'est ok. On se fait l'épreuve de la nage. C'est vrai qu'elles vont pas vite. Hein. Nous testons l'aptitude des gardiens à plonger dans les eaux d'Adelpha. C'est pour les fois où nous cachons des objets ou lorsque nous voulons éviter les soldats de Croax. Suis-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Allez, vas-y, mais explique-moi. Ah, bah par contre, j'ai rangé mon arme. Mon arme. C'est merveilleux. Allez, je le suis. Je le suis. Vas-y. Alors, je sais pas par contre si je vais faire le jeu en mode 100% et je vais essayer de tout récupérer. Ou si je vais le faire à la va-vite. Non. Info, épreuve nage. Vas-y, dis-moi. Tu veux que je nage là-dedans? Mais je vais me geler les oreilles. Cette eau est glaciale et elle contient des objets dont tu auras peut-être besoin. Plonge jusqu'au fond pour les trouver. Mais protège ton essence. Ah, faut que j'ai de l'essence. Je comprends rien, faut que j'ai de l'essence. Coucou Bibi, coucou.
Et bah merci d'être passé et je te fais des bisous. Bonne nuit. Alors, faut que j'aille récupérer le merdier dans le fond. Allez, plonge. Ok. Alors c'est un peu chiant à faire, c'est bouton gauche pour plonger. À un moment je vais crever. Ah, elle est où ma jauge de... Ah c'est à droite là-bas. D'accord, ça y est, je viens de voir. Froide, il se fout de ma gueule en plus. Hein. Là je récupère des bibelots quoi. Tout pris ou pas? J'ai l'impression que j'ai tout pris. Quoique, là-bas, il y a peut-être. Le ray tracing de 99. Non, mais ce moteur était ouf. Ce moteur était vraiment ouf. Hop, allez, sors. Ok. Ça, c'est du froid. Je peux marcher si je veux. Si vous croyez que là je vais pas vite, que je pourrais courir un peu, en fait là il court. Là il marche. Là il court. Là il marche. On va se faire chier hein. Quand il y a de grandes étendues à traverser. Il s'est barré. Ah bah je me casse. Ah d'accord. Eh, reviens là. Preuve de saut. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, va pour l'épreuve du saut. Suis-moi, Hulukai. Je t'emmène là où nous faisons passer cette épreuve. Super, super, je suis ravi. Merci beaucoup. Oh, il est en train de se fumer son petit tarpé, là, tranquillou. Regardez ça. Regardez ça, il se fait un petit bang. Ouais. L'autre, lui, il fait des pompes. Ah, bah, regardez. J'ai récupéré une merdouille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi tout. Et maintenant? De l'autre côté de l'eau, tu peux voir les marches qui mènent au sommet des rochers. Saute jusque-là et prends ta récompense. Seuls ceux qui possèdent une essence forte réussissent ce saut. Ok, super. Merci, hein. Hop, je récupère les trucs pendant que j'y suis. De l'autre côté de l'eau. Ah là. Allez, faut pas que je me gourre, hein, faut que je saute. Hein. Saute! Oh super. Voyons si cet émetteur fonctionne. Cutter au groupe. Cutter au groupe. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Putain les gars, connectez-vous! Attention descendant. Ouf. Ouf. C'est-à-dire que pendant ce temps, moi, je jouais à Master System de Seymour. Ah bah ouais. Ah ouais. Pendant qu'il y avait Zelda, il y avait Breath of the Wild. Approche un peu, tu veux? Il y avait Breath of the Wild avec Bruce Willis. C'est quoi l'épreuve de discrétion? C'est l'épreuve la plus difficile. Comme mon père nous ordonne de suivre les enseignements pacifiques de Khazar, nous sommes obligés d'essayer de nous faufiler dans certains endroits sans que les soldats ne nous voient. Pas de mal à ça, ça fait des économies de munitions. Peut-être, Hulukai, mais moi, je veux me battre. Mon père l'interdit. Alors, nous nous entraînons à prendre des objets sans nous faire repérer. Suis-moi. Je vais t'expliquer les règles. C'est dangereux, c'est un quasar. Quasar. Non, désolé. Non, mais je ne le refais plus. Non, c'est... Non, je me suis trompé. C'était pas moi. Quelqu'un a piraté mon stream. quelqu'un a piraté mon stream, c'était pas moi. Et il va nous cacher des petits trucs et puis il va falloir qu'on récupère les petits trucs, quoi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je peux switcher directement, ok.
Oh le relou. Oh le relou. Il va nous faire du waza pendant des heures. C'est les cabinets? Pourquoi tu m'as emmené devant les cabinets? Oh merde. On m'a emmené devant les chiottes. Quoi? Ah oui. Comment on fait? Tu vas commencer les épreuves les plus difficiles, Lukai. Place-toi dans le carré, et lorsque j'aurai compté jusqu'à 3, tu devras essayer de récupérer le fruit que j'ai mis par terre. Ça m'a l'air facile. Pas tant que ça, Lukai. Si tu quittes le carré avant que j'ai dit 3, je recommencerai. Si je te vois, je te le dis, et tu devras recommencer l'épreuve. Ok, c'est parti. Place-toi dans le carré et attends que je commence à compter. On joue à cache-cache. Par contre, je vais utiliser le Gamsav. Hein. Comment on fait? Je sais plus. Merde. C'est ça, non? Ah non. Ah, attendez. Échappe tab. Ah là, on a la carte. Menu info, le sac à dos. Carnet de mission, le lexique, les mouvements, les flèches, les armes. Marcher, ramper. Ça barre espace, ok. Merde, je l'ai pas eu tout à l'heure. Oh, je sais plus. Ok. Bon, là, il me regarde. Non. Ah, il tourne à une vitesse, ce con. Merde, il m'a vu. Non? Ah oui, merde. Non mais c'est ça, c'est vraiment 2-3 soleils quoi. Hein? Barre espace pour ramper. Donc là j'appuie sur la barre espace. Alors ça c'est la barre espace. Voilà. Comment dire? Comment dire? Je crois qu'il y a un petit souci. Avec les commandes. Ramper, barre espace. Merde. Et ils disent quoi pour sauter? Zoom avant, zoom arrière. Action contextuelle primaire, ouais. La souris. Orientation de la caméra. La souris. Ramper, marcher, alt droit. Puis ça déconne aussi. Les mouvements, c'est les flèches. Lexique L. Carnet de mission H. Sac à dos B. Menu info I. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le GameSav. C'est F2 le GameSav. Utilise-le. Ah c'est bon. C'est bon. Il l'a utilisé ou pas? Mais... Merde. J'ai utilisé... Oh je suis paumé. Attendez, charger. Si je fais charger, j'ai quoi? J'ai le début. Merde. Pourquoi il sauvegarde pas ce glandu? Je peux pas. F4 c'est quoi? S'en fout. À la barre espace fait plus rien maintenant. Ah c'est de mieux en mieux. Hein. Et range ton arme. Putain, l'autre il s'est barré. Oh là là, le connard. Non, bah, je vais faire le remake hein, finalement. je vais faire le remake. Attendez, là-bas, il y a un truc. Il y a un truc à pécho là-bas.
Ah, c'est son fouet de merde, ça, non? Si je fais entraînant... Barre d'espace pour ramper, mais ils se foutent de ma gueule, hein. Attendez, shift. Non. Contrôle. Ok, l'autre contrôle. Fais rien, shift. Fais rien. Ah, je peux ranger. Bon, déjà, j'ai trouvé. Ranger, c'est ici. Ok. Bon. J'ai essayé de passer en QWERTY. Ah, je suis en BEPO. Ah, c'est bon. Regardez, j'ai trouvé le rampage. Quel génie. Quel génie. Là c'est quoi? Ah ça c'est pour sélectionner l'arme, ça c'est cool. Ça c'est pour quoi? Le fruit étrange. Ok. Tab, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Là j'ai dit ça. Carnet de mission. Le Lexi gros con. Ça c'est quoi? Ok, ça c'est pour avoir les... Ok. Un medikit, un game save. Ouais, ça me dit sur quoi je dois appuyer. Hop. Va pour le game save. J'ai peut-être pas le droit de m'en servir tout de suite. Hop, je le range. C'est bon, j'ai trouvé. Donc maintenant, faut que je retrouve l'autre débile là. J'ai envie de se battre là. Là, il a envie de se battre. Hein. Il déconne pas, hein, c'est. Allez, des munitions. Est-ce que je parle avec tout le monde? Eh, salut! Eh, là-bas! Ça va? Grand Holokai, tu sembles aller mieux. Ça pourrait être pire. Enfin, j'en suis pas si sûr. Je peux te donner quelques informations sur les Shamaz ou sur la région de Shamazar, si tu veux. Ah, je veux bien, oui. Shamaz. Et qu'est-ce que tu sais sur les Shamaz? Il y en avait beaucoup avant, tout comme les gardiens. Mais depuis que Ferran et Croax ont commencé à régner sur Adelpha, Croax, leur nombre a diminué. Croax? Ferran les a tués? C'est ce que craignent la plupart des Talan. Ferran a interdit aux Shamaz de parler des autres Yod ou du prophète Khazar. Ceux qui l'ont fait ont disparu. Nous avons essayé de respecter les enseignements de Khazar et de Yod, mais nous aussi nous perdons les gardiens chaque lune. Je crains qu'une lune, il ne restera plus de gardiens. Pourquoi est-ce que Ferran laisse encore certains Shamaz en vie? Il aura toujours besoin des Shamaz. Grâce à leur essence, ils peuvent soigner les autres. Croax les oblige à soigner ses soldats, et Ferran à soigner les paysans pour qu'ils travaillent encore plus dur pour lui. Il y a de nombreuses lunes, aucun Shamaz ne voulait aider Ferran, et il a continué à les réintégrer jusqu'à ce qu'il en reste plus que quelques-uns. Alors, ils ont décidé qu'ils devaient vivre pour répandre la parole des Yod, et ont passé un accord avec Ferran. Ils sont de son côté alors? Non, Ulukai. Ne remets jamais en question la fidélité d'un Shamaz. Ils seront tous heureux de te voir et t'aideront du mieux qu'ils le peuvent. Khazar l'a suggéré, les Shamaz l'ont écouté. La seule raison de craindre un Shamaz serait si... Si quoi? Excuse-moi, Holokai, mais Khazar leur a dit que si ton essence était mauvaise, il ne devrait pas t'aider. Mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Ah, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça. On peut buter les alliés. Donc clairement, on peut être un connard et défoncer tout le monde. Et dans ce cas-là, en fait, les personnages non-joueurs vont changer de comportement. Oh putain, il y a ça aussi. Oh, mais à l'époque, mais ce jeu, mais il est ouf, quoi. Il est ouf. Ouais. Tiens, parle-moi du Shamazar. On y trouve de grands temples. Ils nous permettent de célébrer les Yod des essences. Mais ces dernières lunes, rares sont ceux qui ont l'autorisation de s'y rendre. Et les niches à offrandes placées en dessous des statues sont vides. Pourquoi vous ne pouvez pas vous y rendre?
Ferran a pratiquement anéanti toute forme de culte des autres Yoda. Seul le culte de Yod-Fey, son Yod, est désormais permis. Les trois autres ne peuvent être vénérés qu'en secret. Seuls les Shamas ont le droit de se rendre aux autres temples, mais même eux ne peuvent pas y rester longtemps. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Shamazar ? Depuis les pluies récentes, le terrain est devenu très dangereux par endroits. Fais attention aux zones de terre sombre. Les eaux du Shamazar sont également dangereuses à cause d'une énorme bête qui vivrait dans les eaux derrière un des temples, mais je ne sais pas lequel. Ah, j'ai tout le temps... ah, je peux voir tout le temps la carte. Ah non, la carte en grand, la carte en petit, la carte... Oh putain, c'est Isaac avant l'heure. Mais attendez, le fumeur de bangle, là, faut que je lui parle, lui, parce que... Oh là là. Oh là là. Ah, mais c'est notre copain du début, ça. Qu'est-ce qu'une Daoka ? La porte des étoiles. Ce sont les anneaux de voyage qui ont été découverts il y a des 1000 lunaires sur Abelpha. Personne ne sait qui les a créés. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles permettent de voyager rapidement d'une région à l'autre. Nous avons désactivé la nôtre pour éviter d'être suivis lorsque nous sommes venus te sauver. Ok, merci mec. Les mônes. Que sont ces mônes dont tu m'as parlé ? Il a été dit que tu viendrais à Adelpha et que tu réunirais les cinq mônes. Alors, le règne de Ferran prendrait fin et Adelpha retrouverait la paix. Spoiler, mais c'est quoi ça. À la fin ? Nul Talan ne le sait. Les mônes ont été découverts par Khazar et cachés par les Shamas à sa réintégration pour que les soldats ne s'en emparent pas. Pour les trouver, tu dois donc d'abord contacter les Shamas des régions où tu arrives. Et c'est quoi un Yod ? Les Yod sont des entités qui nous observent de là-haut et qui donnent aux Talan leur essence. Nous espérons que c'est eux qui t'ont conduit à nous. Parle-moi du Shamazar ? C'est la région à laquelle mène la Daoka de notre camp. On y trouve beaucoup de temples. De nombreux Talan cultivent là-bas pour nourrir les soldats de Ferran. Dis-moi Zogrim, c'est quoi ce Gamsav que tu m'as donné ? Ah, le Gamsav. C'est ton Gamsav. C'est une pierre spéciale dont il n'existe que de rares spécimens sur Adelpha. Génial ! Elle sert à quoi ? Quand on la serre dans sa main, la lumière et le son qui en émanent s'intensifient, jusqu'à ce qu'un éclair en sorte. Cet éclair sauverait ton essence si tu étais réintégré. Vraiment ? Parce que pas de sauvegarde automatique. Sache que le son que produit ce cristal risque d'attirer les soldats qui se trouvent dans les parages. Toute autre énergie avoisinante perturbe le Gamsav. En ce cas, il te faut recommencer. Et ils ont intégré la sauvegarde. Je peux l'utiliser combien de fois ? Autant de fois que je veux. Autant que tu veux, je crois, Ulukai. Et donc, la sauvegarde est intégrée dans le jeu. C'est la petite pierre qu'on sert. Et donc, quand on veut sauvegarder, ça attire les ennemis parce que ça fait du bruit. Et en plus, si justement il y a des ennemis dans le rayon, on peut pas sauvegarder. Donc, en gros, si vous êtes dans la merde et que vous êtes poursuivi, pas de sauvegarde possible en fait. C'est vous vous démerdez quoi. Donc j'ai ragé un peu à l'époque pour ça. tu joues pendant 2 heures et t'es à fond dans le jeu. En plus c'est ça, le jeu est super prenant et donc tu penses pas à sauvegarder quoi. T'es dans le truc, tu dis tiens une petite quête et tu fais des quêtes comme ça à la con. Et puis au bout de 2 heures en fait tu te fais défoncer la gueule et t'as 2 heures de jeu qui sont perdues. Donc faut pas déconner quoi. Parle-moi de Croax. J'étais jeune lorsqu'il est devenu chef des soldats de Ferran. J'ai su par mon père, avant qu'il ne soit réintégré, que Croax avait toujours cherché à dominer et à prendre le pouvoir. Il avait quelle relation avec Ferran ? Après être arrivé au Shamazar, Ferran a rencontré Khazar à plusieurs reprises. Comme ils se disputaient toujours, Croax a vu là l'occasion de s'allier avec Ferran pour imposer la loi du plus fort au peuple Talan.
C'est qui au juste ces gardiens de l'Otai? Tous les talans de l'essence fée ont été des gardiens de l'Otai. L'essence fée peut être utilisée comme une arme. Nous sommes donc devenus les chasseurs et les protecteurs des talans. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Lorsque Ferran est arrivé au Chamazar, il a perverti l'esprit de certains talans fées, les persuadant qu'ils étaient les plus forts et qu'ils devaient régner sur les autres. La plupart ne l'ont pas écouté, mais certains se sont laissés influencer. Une critique du capitalisme en plus dans le jeu, quoi. Pourquoi tu n'as pas essayé de l'arrêter? Plusieurs d'entre nous ont commencé à se battre contre les disciples de Ferran. Mais Khazar dit que si le Talan ne suit pas la voie de la paix, son essence souffre. Il en est ainsi depuis des mille lunaires et des mille lunaires. Khazar était contre l'usage de la force et nous avons écouté sa parole. Mais Ferran en a profité et a réintégré beaucoup des nôtres. Lui, il n'en avait rien à foutre. Et aujourd'hui? Nous ne sommes plus que quelques-uns. Ferran a tout fait pour nous éliminer, mais nous continuons à nous battre à notre façon. Beaucoup de talans sont de notre côté, mais craignent de le dire. Alors, je suis pas prêt à partir, j'ai pas fini ma quéquette là. Allez, reviens là toi. Salut. Salut. Sois le bienvenu, Lukai. Je viens de rentrer de Lokasankar, et je suis heureux de voir que tu vas bien. D'où ? De la région de Lokasankar. Je m'y suis rendu parce que j'étais le dernier gardien à quitter Okar, la région où nous t'avons trouvé. J'ai dû m'assurer que nous n'avions pas laissé de traces que les soldats auraient pu suivre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'endroit, là ? Okar, je crois. C'est la région où nous t'avons trouvé, Lukai. Khazar avait parlé de ton arrivée dans cette région, et nous nous sommes cachés pendant des lunes dans les arbres pour éviter les soldats de Croax. Nous avions presque perdu tout espoir que tu arriverais quand nous avons vu la lumière brillante. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu es arrivé près d'un groupe de soldats. Ils allaient te découvrir quand nous les avons attaqués et éloignés. Vous les avez attaqués? Seulement avec des flèches qui endorment et d'autres moyens non violents. Nous ne réintégrons jamais d'autres talans. Ensuite, nous t'avons amené ici en sécurité. Je suis resté en arrière pour effacer nos traces. La région est pleine de dangers et de mystères aussi. Quel genre de mystère? On dit que les ruines de la région sont les restes des anciens. Ah bah les anciens? J'en doutais jusqu'à ce que je voie la région lorsque je suis parti à ta recherche. Mais voilà. Pendant les lunes où nous étions cachés dans cette région, j'ai vu ce que je crois être une Daoka, à part qu'elle était très grande. Il y avait des statues à son sommet, alors que je n'en ai jamais vu sur les autres. Mais je n'aurai jamais la réponse à ce mystère. Et pourquoi? La Daoka a été cassée, du moins si c'en était une. Les autres pensaient aussi que c'était une sorte de monument. La plupart des Talans ne croient pas en la légende des anciens, mais je pense qu'ils ont existé. Parle-moi de Lokasankar. C'est une région pleine d'eau. La cité de Siana est sur une montagne qui sort de l'eau. On dit que la région était pleine de montagnes il y a des centaines de millénaires, et que les Yods se sont fâchés et l'ont inondé d'eau pour chasser les anciens. Les anciens? Il existe plusieurs légendes sur eux, mais elles sont toutes différentes. Ils auraient existé il y a des centaines de millénaires. À cette lune, plus personne ne sait si c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? La légende la plus répandue est qu'il existait deux races au début, les Talans et les anciens. Les Yods ont observé leur début sur Adelpha. Lorsqu'ils ont vu que les anciens ne respectaient pas Adelpha, ils ont réagi en s'en débarrassant. Mais de nombreux Talans ont disparu à cette occasion. Le petit nombre qui a survécu a alors promis aux Yods de toujours respecter Adelpha. C'est beau. Et tu crois pas à cette histoire? Je ne sais pas, Lukai. Certaines lunes, je n'y crois pas. Puis je pense à la Daoka et aux autres objets qui sont arrivés mystérieusement sur Adelpha. Et là, je ne sais plus. Ok, merci mec. Il est où ton fils là? Le fiston, il est où? C'est le fiston toi ou pas? Ils se ressemblent tous. Hey, machin. Oh. Tu veux réessayer? Je suppose que tu es encore fatigué de tes voyages. Réessayons. À trois,
tu essaieras d'atteindre le fruit. Putain, mais on est loin là. Y'a l'autre qui fait des pompes là. Le petit bruit de neige. Alors je sais plus pour ramper, c'est ça. Vous voyez comment je bouge mon petit cul? Regardez ça. Ouais, ouais, regarde ça. Hop, Allez. Je suis à ma place là. Vas-y. Ah, ce boule, mais beau soulisse quoi. C'est beau soulisse quoi. Attends, déconne pas. Bon. Sinon, je fais le tour par là. Regardez si je fais le tour par là. Qui va me voir? Il va pas me voir par là. Oh non, mais tu m'as pas vu. Arrête un peu là. Putain, il triche. Il triche. Tu veux réessayer? Je me coince dans le truc. Comment il tourne? Regardez, hop, hop. Et là il revient. Ok, donc au prochain on peut. Caméra ? Caméra ? Il fait ça, là il fait ça, là il fait ça, et après on peut y aller. Je t'ai vu, Luca. Ouais, je l'ai eu ton truc là. Putain. Tu veux réessayer ? Je suppose. Je sais. Tu as des problèmes. Hein ? Un EVD ? Où l'as-tu trouvé ? On l'a trouvé à l'endroit où tu es arrivé. Merde, j'ai passé des dialogues. Je voulais te le donner à la fin des épreuves. Tu en as sûrement besoin maintenant. Putain, il me prend pour un débile en fait. Mais du coup, j'ai eu quoi ? Non, c'est pas ça. Attends. Là qu'il y a machin. Non mais je joue pas Isaac là, vas-y. Ah, le VD. F6. Ça sert à quoi le VD? Je sais pas à quoi ça sert cette merde. Et non, faire le tour en plus c'est pas bon. Tout à l'heure il m'a vu. Je me suis fait griller à mort. Comment je m'en sers? Il va me voir. Regardez, hop. À la prochaine, j'y vais. C'est pas un camoufle, j'en sais rien. Ah, l'autre, c'est une toile, quoi.
Ça marche comment le VD là? Non, je sais pas. Hop. Ah. Là, j'ai les game serve. Oh, je pige rien. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Je sais pas comment faire. Ah! D'accord, c'est ça le VD. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé comment ça marchait. Alors attendez, The Cream. Tu peux m'en dire un peu plus sur ton père? Mon père serait chef de tous les gardiens de l'Otai si la situation était différente à Adelpha. Nous verrons d'après la lune s'il faut fuir les flammes réintégratrices de Ferran ou les affronter. Il arrive à trouver des hommes en les envoyant à la mort? Oui, Ulukai. Drôle de façon de recruter les gens. Quel est le plan de bataille? Beaucoup d'entre nous voudraient se battre, mais mon père ne veut pas. Son essence s'affaiblit, je crois. Je ne veux plus suivre les enseignements pacifistes de Khazar. Ferran doit être réintégré coûte que coûte. Et je vais m'en charger. T'es vénère, le fils. Oh, oh, du calme, Yann. Ton père sait sûrement ce qu'il fait. Nous le saurons bientôt. Faut que je fasse quoi, là? Tu veux réessayer? Tes voyages t'ont peut-être affaibli, Ulukai. Ça n'a pas d'importance. Je dirai à mon père que tu as réussi l'épreuve. Ah, yes. On ne peut pas réessayer une dernière fois? Ce n'est pas grave, Ulukai. Peu de jeunes Talan réussissent cette épreuve. Mais je peux... Ça restera entre nous, Ulukai, ne t'inquiète pas. On peut pas la faire, ok, d'accord, j'ai compris. Que l'eau de crocombigne. Ok, donc on peut pas le faire. Résultat. Vas-y. Ah non, merde, oh là là. Cette interface. Alors, j'ai réussi? Oui, Ulukai. Je ne doutais pas que tu réussirais nos épreuves. Cela a été un honneur pour moi de te remettre en jambes, comme tu dis. J'espère que tu nous apprendras de nouvelles stratégies de bataille. Ton père ne sera sûrement pas ravi. Mon père ne veut pas voir ce qui se passe autour de lui. Il parle encore des bonnes vieilles lunes des gardiens et de leur honneur passé. Il ne voit pas qu'il y a très peu de survivants parmi ceux qui pensent comme lui. Ne t'inquiète pas, Yann, j'ai toujours réussi mes missions. Que l'Iode t'accompagne dans tes voyages, Ulukai. Mon père sera content de savoir que tu es prêt. Merci. Ça fait partie des nombreux objets sacrés que tu trouveras sur Adelpha, Ulukai. Lorsqu'on les a trouvés, beaucoup de Talan croyaient que c'était des objets de Yod. Ok. Et donc, la sauvegarde. Non, non, barre-toi, barre-toi. Hop. Voilà, j'ai compris. Merde. Ça a sauvegardé ou pas? Putain, ça a pas sauvegardé. Putain. Tiens. Ok. Ok. Et ensuite, je choisis. Quel slot? Début. On va appeler ça début. Parce que c'est le début. Oh, vous avez vu comment je suis malin? Allez. Je crois qu'on a fouillé toutes les baraques, hein, non? Enfin, peut-être pas celle-là. Oula. Oh les rondins de bois. Oh les rondins de bois. Ils étaient un peu trop près là. On a vu que c'était moche. Ah non, c'est là où je commence. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. Elle est dégueulasse la texture, Jean-Mi.
Alors. Allez, on est fou, on va sauter sur les toits. Hop là. Hop là, je suis un fou. Et donc, je peux utiliser le machin là. Hop. Oh là. Deyumel. Si je peux regarder dans les. Je peux regarder dans les maisons ou pas? Je peux regarder dans les maisons? Ouais, je peux regarder dans les maisons. Non, désolé. Bon allez, il balèze. T'as l'autre qui fait les pompes là. Le ouf. Bon, on a tout récupéré hein. Donc on va dire, hey, salut. Je veux me barrer. Merde, c'est pas lui. Non, ça c'est Fiston ça. C'est Fiston. Il est où le fumeur de tarpé? Salut la compagnie. La compagnie. Ah. Ce bruit de photocopieuse. Te voilà parmi nous enfin. Pas pensé, ouais. Les yachts soient loués. Merci. Veux-tu que je te parle des régions du Talanzar ou du Motazar? Bah vas-y pour le Motazar. Hein. Parle-moi du Motazar. Cette région est aussi déserte que le Talanzar. Il y a quelques millénaires, ces grands arbres et ces nombreux animaux en faisaient un endroit merveilleux. Aujourd'hui, elle dépérit de lune en lune, et seules les plantes et les animaux les plus malveillants résistent encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ferran fait exploiter un minerai qui sert à fabriquer les armes des soldats. Plus l'on extrait de ce minerai, plus la région dépérit. Les chamas pensent que ce minerai est le lien entre les Yod et Adelpha, mais je n'en sais rien. C'est quoi ce minerai? Demande à un autre Talan, Ulukai. Je viens juste de devenir gardien, de commencer mon apprentissage et l'étude du Motazar. Qu'est-ce que tu as appris d'autre? Le Motazar fournit tout le minerai à Ferran. Je me souviens d'une grande crevasse dans le sol qui sépare la région en deux parties et de grands trous laissés par les anciennes mines. À part ça, Quada, mais putain, je mais ne me oui. souviens pas de grand-chose. Putain. Oh là là. Parle-moi du Talanzar. Jadis, le Talanzar était une grande région vivante et colorée. Aujourd'hui, c'est un désert. On dit que les Yod ont provoqué ça parce qu'ils savent que c'est là où Ferran demeure et qu'ils essaient de le réintégrer. Mais je n'y crois pas vraiment. Ferran est toujours dans cette région? La plupart du temps, oui. Il y a construit un grand palais autour duquel se trouve la cité d'Okriana, la seule cité du Talanzar. Presque toutes les régions d'Adelpha approvisionnent le Talanzar, car c'est là où se trouvent les meilleurs soldats de Croax. Ça a l'air bien agité comme endroit. Ça l'est, oui. De nombreux Talan y vivent en faisant attention à ne pas s'attirer le courroux de Ferran ou de Croax. Ne pénètre pas dans cette région avant de te sentir prêt à l'affronter. À Okriana, les soldats sont partout. Mais si tu te trouves à l'intérieur de la cité, reste à l'écart des rues principales pour éviter les patrouilles de soldats. Faut faire attention à la marée chaussée. Oh, il est plein de bon sens ce jeu. Hein. Il est plein de bon sens. Il va vite lui. Du coup, non rien. C'est rigolo parce que ça rame moins à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. Ça rame moins à l'extérieur des bâtiments qu'à l'intérieur. Non, ça c'est... Oh mais putain, mais ils se ressemblent tous là. Putain, consanguin là. Putain, merde, c'est lui, c'est le même. Ils se ressemblent tous. Je veux me barrer. Il est où papa? Il est où? Avec son bang. Ah il est là avec son bang. Regardez. Regardez là. Hop. Merde non. I am prêt hey, à partir. Machin. Comment est-ce que je peux sortir de là? Tu as fini les épreuves de Yann ou Lukai? Ouais. À toutes. Bien sûr. D'après lui je m'en suis sorti à merveille. Bon bah il faut que j'y aille maintenant. Comme tu veux, Ulukai. Mais avant que tu ne partes,
Rappelle-toi notre marché. Trouve les 5 mônes et nous essayerons de te donner ce que tu cherches. C'est ok, mais dès que je retrouve cette sonde, ma mission avant tout, compris? Yes. C'est entendu, Ulukai. Écoute maintenant. Pour trouver le premier mon, va au Shamazar, la région qui se trouve derrière la Daoka de notre camp, et cherche Shamazeb, dans le village situé tout à l'ouest de la Daoka par laquelle tu arriveras. Ça peut se faire. Il faudra encore que tu rencontres des Shamas d'autres régions. Seuls les Shamas peuvent t'aider à trouver les mônes. Ce sont les seules personnes que je dois chercher alors? D'autres essaieront de t'aider, Ulukai. Les recréateurs te seront utiles. Je crois qu'ils ont découvert les secrets des objets sacrés. Les recréateurs? Oui, ils font partie de ceux qui t'aideront. J'espère seulement que les chefs t'aideront aussi. Voilà, et donc là, c'est vraiment... Les chefs de quoi? Des nombreuses régions qui produisent des ressources pour les soldats de Ferran et de Croax. J'ai été en contact avec eux, mais ils refusent d'arrêter de travailler pour Ferran. Ils apprécient de travailler pour lui? Non, Ulukai. Ils craignent seulement sa colère, ou alors ils sont trop bêtes pour comprendre nos motivations. Bon, je vais voir ce que je peux faire si j'ai le temps. Je suis sûr que tu arriveras à les convaincre. Tu portes la marque de Ulukai. Ta parole sera écoutée. C'est donc ça, ce tag? Je croyais qu'un de tes potes m'avait pris pour un métro. Reste sur tes gardes, Ulukai. Ah, le gros con. Depuis que l'on sait que tu es vivant, les soldats se multiplient. Il te faudra éviter le temple de fées qui se trouve dans le centre du Shamazar. Il y a trop de soldats là-bas. Reste dans l'extrême sud de la région. Merci du conseil. Écoute bien ceci. Tous les gardiens te surveilleront. Si la prophétie de Ulukai se réalise, tu auras notre aide. Sinon, tu connaîtras notre colère. Tous les Talans sauront comment tu as agi et te traiteront en conséquence. Voilà, on va se faire défoncer. Si on est méchant, je dois trouver les autres ainsi que cette sonde et nous serons les meilleurs amis du monde. Je vais activer la Daoka pour toi, Ulukai. Puissent les Yod rester silencieux. Voilà. Et donc, c'est eux qui parlent anglais ou c'est lui qui parle qui boot Eh bien, peut-être qu'on l'apprendra. Peut-être qu'on va apprendre dans le jeu. Je ne sais pas. Peut-être. Allume. Avec la mets la télécommande là. Je peux me battre, regardez. Je peux mettre des coups de poing, je peux mettre des patates. Hop, et appuie sur le bouton. Et là, vortex. Oh, ils y arrivent pas. Oh, il est débile. Excuse-moi, mon gars. Ah, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces chefs? Ce sont les Talan, chargés de fournir à Ferran les impôts, la nourriture et tout ce dont il a besoin pour ses soldats. Et tu as eu du mal à les convaincre d'arrêter? Je connais pas du tout l'histoire, oui. Koto. Ils connaissent la colère de Ferran lorsqu'on n'obéit pas à ses ordres. Nous, gardiens, nous faisons notre possible en attaquant les convois de marchandises ou les entrepôts, mais nous n'arrivons pas à les affaiblir. Peut-être réussiras-tu à les convaincre, Ulukai. T'as un conseil à me donner? Tous les chefs te suivraient si les autres Talans de la région étaient sûrs que tu es, Ulukai. Il te faudra parler avec eux pour savoir ce qui les empêche de nous aider à vaincre Ferran. C'est quoi un recréateur? Ce sont ceux qui fabriquent les armes pour Ferran. Mais ne les crois pas mauvais, Ulukai. Ils font ça contre leur gré. Et pourquoi faut-il que je les voie? Je sais qu'ils ont examiné tes objets sacrés, et qu'ils pourraient t'aider à en trouver d'autres. Ah, mon stuff. Hop, bon, on est bon. Ouais, voilà, donc ça y est, la porte des étoiles est ouverte. Est-ce que je peux passer dedans n'importe quel sens? Waouh. Et j'arrive dans la flotte.
Regardez, il y a des lunes. Ah oui, alors le truc con par contre. Ah oui, non, la porte est dans la flotte. Hein. Alors le truc méga con, c'est que Cutter Slade il est balèze. Par contre, il peut pas sortir de l'eau si il n'y a pas une petite, des petites marches. Et vous voyez? Donc si par exemple j'essaie de sortir de l'eau ici. Allez, remonte. Remonte. Là il veut pas. Là il dit ah non. Ah non c'est trop mais ah non. Oh là là. Trop compliqué. Moi pas y arriver. Par contre ici, nous sous saille. Y'a personne qui est méchant dans ce bordel. Si il va rien avoir, vous inquiétez pas. Salut. Salut tout le monde. Ah, tu as l'air mieux, Ulukai. Et comment? Alors, tu vas pouvoir aller trouver Shamazeb et partir à la recherche des mondes dans les régions. Fais attention, tous les soldats sont à ta poursuite. Tu ferais mieux de rester au Shamazar jusqu'à ce que tu te sentes prêt à voyager dans les autres régions. Tu peux aller dans la région que tu choisiras dès que tu le voudras. Merci pour tes conseils. Open world. C'est un honneur pour moi de t'aider, Ulukai. Autre chose. Certaines Daoka mènent directement dans des camps militaires. Il serait plus prudent que tu ne prennes que celles qui te mènent à des endroits moins dangereux. Ok, je m'en souviendrai. Alors, je ne te retiendrai pas plus longtemps, Ulukai. Shamazeb t'attend au village à l'ouest si tu veux. Je peux t'y emmener. Tu peux m'y conduire? Oui, si tu veux. Ok, je me sentirai moins seul. Je vais te montrer quelques endroits sur le chemin, suis-moi. Mais tout est ouf dans le jeu pour l'époque. Il y a des araignées. C'est comme dans Isaac, hein, faut pas y toucher aux araignées, hein. Qu'est-ce qu'il fait? J'adore comment il court. Putain, il y a l'étoile de la mort là. Ah non. Regardez celle de droite, c'est l'étoile de la mort, putain. Putain. On va se faire pulvériser quoi. Eh bah je suis derrière toi. Donc, arrête de me dire de venir là, je suis derrière toi. Alors là, il y a des voilà, les sources d'énergie faibles là, et les points rouges, c'est il y a des ennemis à droite. Et vous avez entendu que la musique a changé. Putain, mais il m'emmène où lui? Il m'emmène au bout du monde quoi. Le temple de Fée est au nord d'ici. Les soldats de Croax sont nombreux là-bas. Je te déconseille d'aller, Ulukai. Merci du conseil. Le temple de Fée est l'un des quatre temples de cette région. Les trois autres sont plus petits et sont au nord du temple de Fée. Allons maintenant. Eh vas-y. Après je vais pouvoir parler avec tout le monde et tout. Là il y a des NPC partout, on peut discuter avec chacun, ils ont des trucs à nous dire et tout. Enfin c'est... ça va être assez dingo. Hein. Il marche en me regardant. Et il marche. Non mais voilà, regardez, hop, hop. Le mec il connaît le chemin par cœur. Nous y sommes, Ulukai. Le village est un peu plus à l'ouest. J'espère que Shamazeb pourra t'aider. Il est pas bugué. Ok mon pote. Merci pour la visite. Tout l'honneur est pour moi, Ulukai. Attends, encore un conseil avant de partir. Envoie. Des convois de marchandises traversent les régions d'Adelpha pour approvisionner les soldats de Ferran. Arrête-les quand tu en rencontres. Cela finira par affaiblir les soldats.
Ok, j'essaierai. Merci. Que les yachts t'entendent, Ulukai. Merci, mec. Bon, est-ce qu'on peut parler aux gens? Eh, salut! Oh là là, regardez. Oh, mais regardez. On peut parler à tout le monde. Ça va être infini. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les soldats? Ils font des rondes régulièrement dans les champs. Il y en a beaucoup qui surveillent les entrepôts de riz du Chamazar. Mais là où il y en a le plus, c'est dans le temple de Fée. Parle-moi de Ferran. Il sème la douleur et semble aimer voir les autres souffrir. J'espère que tu arriveras à le battre. Que sais-tu sur le temple de Fée? C'est un énorme temple entouré d'eau. Ferran l'a fait construire pour qu'il devienne le centre du Chamazar. Il a beaucoup de soldats à l'intérieur. Qu'est-ce que tu sais sur Khazar? C'était un être supérieur. À l'époque, son savoir et sa bonté ont illuminé nos lunes. Tu peux me dire quelque chose sur Croax? Son règne sur Adelpha ne nous apporte que souffrance. Il est souvent au temple de Fée pour donner des ordres aux soldats, mais je ne l'ai pas vu depuis que tu es là, Ulukai. Où se trouve le chef de cette région? Au nord-ouest, Ulukai. Il doit être là car je ne le vois pas ici. Où puis-je trouver un recréateur? Ulukai, tu es allé vers l'ouest? Marche beaucoup vers là. Zeb. Sais-tu où je peux trouver Shamaz Zeb? Il y a longtemps que je l'ai pas vu. Je crois qu'il allait vers l'ouest. Ton voyage t'emmènera peut-être vers cette direction. Voilà. Merci, gars. Merci, gars. Par contre, l'ouest, c'est ouf. Ah là, d'accord. Il y a les points cardinaux au-dessus. Donc là, je vais direction le sud. Hop. L'ouest, c'est par là. Alors là, j'en ai en jaune et j'en ai en rouge. Est-ce que je parle encore à des mecs ou pas? Oh là là. Oh, je vais pouvoir parler à tout le monde. Ah non, c'est pareil, d'accord. Puis je redemande. Où se trouve le chef de cette... Il y a longtemps. Ouais, donc ok, ouais, non, ça va être le même dialogue, d'accord. Y'en a pas un qui va me dire autre chose? Non. Bon, effectivement, on peut parler à tout le monde, mais tout le monde nous dit la même merde, donc on va pas se taper tous les dialogues. Hein. Oh, et cette musique, les enfants, cette musique! Attendez, parce qu'il y a les autres en face là, regardez, il y a les soldats là-bas. Faut faire attention. Hein. Merde. Il m'a vu. Non. Non, c'est bon, il m'a pas vu. Une clé. Ah ouais. Esprit de ruche. C'est-à-dire. Tu parles sur l'IA des ennemis? Je suis un fou, hein. Moi, je monte sur les toits. Hein. Ah, du soin. Le succès, les mecs qui disent tout ça. Ah oui, les mecs qui disent tout la même chose. Ouais. Le succès pour choper des medikits, ça s'appelle hypochondriac. C'est rigolo. Alors, est-ce que je peux prendre mon flingue? Et péter les merdouilles là. Ouais. Allez.
leur faire peur. Ça, hop. Everybody was kung fu fighting. Bon, ils ont pas vu que c'était moi qui... Allez. Toi t'as peur toi. Lui pas comme les autres lui. S salut. Excuse-moi mon gars. Salut. N'est-ce pas. Salut à toi Ouloulo. Comment tu vas cette lune. Ouloulo. Ouloukaï plutôt. Non. C'est ce que j'ai dit, non. Oh putain, un vieux démon. Ok. Un vieux sénile. Mar, c'est ce qu'il dit. Mar est chef de tout Shamazar. Ah bah, ils ont pas... ils ont pas pris le... Ils ont pas pris le plus malin, hein, comme chef, hein. Tu sais quoi sur le RIS. Tout le RIS est pour le soldat. On garde un peu pour nous, mais copain Croax dit que RIS ralentit les ouvriers. Copain Croax. Mais pas les soldats, bien sûr. Quoi? Rien. Oh putain, si soldats nous parissent toutes les lunes, copain Croax s'énerve. Et soldats sont tout faibles. Je dois éviter ça. On a besoin de soldats pour nous protéger. Oh là de quoi là. De... quelque chose. Je sais pas. Ils en ont fait exprès de mettre le petit débile du village comme chef. T'aurais rien d'intéressant à me dire sur les soldats? Ils nous protègent de quelque chose. De quoi? Je sais pas. Mais c'est pour ça qu'il leur faut beaucoup de RIS. Quand ils n'ont pas, ils deviennent tout faibles. Parle-moi un peu du Shamazar. Shamazar est mieux de toutes les régions d'Adelpha, car Mar est là. Et qui t'a placé là? Ah. Croax. J'ai toujours croire que copain Croax était méchant à l'âne. Mais une lune, il me demande comment dit Shamazar. Voilà. Il est gentil, hein? Aucune idée. Mais pourquoi toi? Parce que Mar est le plus intelligent, Olubai. Ouais, ça doit être pour ça. Il dit aussi, comment qu'il dit déjà? Ah, que moi, pas provoquer une révolte, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, il manque plus que le bruit des bottes, hein. Et tu fais quoi exactement? Je compte le RIS et je dis à copain Croax combien d'ouvriers ont pas fini le travail à le fin ténard. De chaque lune. Oh le gros. Il arrive quoi à ces ouvriers? Je crois qu'ils les emmènent pour parler ou quelque chose comme ça. Ils reviennent jamais. On leur donne sûrement autre travail. Ben oui, nourrir les vers de terre par exemple. Tu crois que c'est travail intéressant? Je devrais peut-être essayer. Oh là là, mais... Et en fait, ouais, c'est pareil dans la vraie vie. C'est pareil dans la vraie vie. On met à la tête les gens pas très compétents, mais qui vont pas faire de vagues. Ah, vous voyez? Il est bien ce jeu, hein. Il est bien ce jeu. Sais-tu quelles sont les réserves alimentaires de Ferran pour ses soldats? Soldat fort! J'aime pas quand soldat fort! Parle-moi des armes des soldats? Très dangereuses! Comment est le moral des soldats? C'est quoi le moral? Mar, comment pourrais-je te convaincre d'arrêter la production de RIS? Non! Je crois pas qu'ils sont d'accord avec leur chef adoré là! Pourquoi? Ils veulent tous que la pierre des essences est retrouvée. Je n'ai jamais vu pierre. Mar veut voir jolie pierre. Ok, la pierre. À qui dois-je parler au sujet de la pierre des essences? Tu parles avec Zéo de ça. Ok. Ah, il y en a un qui est différent là. Regardez. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Mar? Je suis trop près de ce Talan. Si nous parlons de lui, il entend. Ah oui, effectivement. Tu sais quelque chose sur la pierre des essences? Oui, Ulukai.
C'est là où se tenait le premier Talan lors de sa conversion. Moi aussi, j'aurais aimé être converti dessus. Parle-moi un peu du riz. Nous le cultivons pour les soldats de Croax. Ils en mangent tellement qu'il en reste à peine pour les autres Talan. Bon, si je veux des vraies infos sur Marf, faut que je demande à un Talan qui est assez éloigné, quoi. A priori, ça va dire des saloperies sur lui, hein. Money, money, money. Vas-y. Mais prends. Bon, oh, hein. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Il faut quelque chose pour... Ok, donc... Il n'y a pas des talans qui sont assez éloignés, non? Bon tas de fumier. Merde. C'était pas le bon bouton. Hop. De l'argent. Je me rappelais pas qu'on pouvait acheter des trucs dans ce jeu. Ah, une deuxième clé. Ah, y a machin. Machin qui lit des bouquins. Et qui fait du yoga. Ok. Alors. Le coffre. Oh merde. Bon, allez. Hey, machin. Salut Zeb. Salut. Oh, les yodes ont sorti du sommeil. Je suis ravi. Moi aussi. Merci. Et à propos du Mon? J'attends cette lune depuis que je suis tout petit. Enfin, je rencontre Lulukai. Génial. Et le Mon? Ah oui, le Mon. J'ai bien peur d'avoir un aveu à te faire. Non. Oh non. Oula, je le sens mal. Oui, Urukai. Je ne sais pas où est le Mon. Pardonne-moi, mais le chamas auquel j'ai succédé a été réintégré avant de me livrer de secret. C'est pas grave. Vu le bol que j'ai en ce moment, je m'y attendais. Attends. Depuis quelques lunes, un Talan du nom de Narn cherche aussi le Mon. Son ami a été réintégré par Croax. Comme il croit que le Mon est une arme très puissante envoyée par les Yodes, il essaie de se l'approprier. Et alors, il trouve? J'avoue ne pas savoir. Je ne l'ai pas vu depuis la dernière lune. Mais il faut que je le retrouve pour calmer le feu qui dévore son essence avant qu'il ne réintègre Croax. Il me semble que Croax le mériterait bien, non? Non, Lukai. L'essence d'un Talan souffre lorsqu'il réintègre un autre Talan. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Intégrer, c'est quoi? Parle-moi de la réintégration des Talan. Lorsqu'un Talan est réintégré, son essence retourne au Yod qui la lui a donné. Comment? Par exemple, l'essence d'un Talan fait réintégré par le feu... Retourne au Yod fée. Vous les brûlez vivants? Non. Et si un Talan meurt en paix, son essence reste à l'intérieur du corps, jusqu'à la cérémonie de réintégration. Celle-ci permet aussi de faire apparaître la destinée du Talan. Nous l'appelons... Ah mais Azades. Le lore du jeu. Oh non, hein. Vous regardez trop X-Files. Ah, c'était de l'époque, hein, X-Files. Hein.
C'est quoi une Azadès? Vois l'Azadès comme l'essence qui quitte le corps d'un Talan quand il est réintégré. Elle voyage pour trouver les personnes et les lieux qu'elle doit voir pour accomplir sa destinée. Tu devrais demander à Zéo, il est au plus haut essence, au nord-est du temple de fées. Que peux-tu me dire sur Croax? Il commande les forces de Feran depuis que celui-ci règne sur Adelpha. J'ai entendu dire qu'il passait de nombreuses lunes au temple de fées à prier le Yod-Fée. Mais il est souvent ailleurs occupé à réintégrer des Talan pour Feran. Comment a-t-il rencontré Feran? Lors de la querelle entre Feran et le prophète Khazar, Croax est venu le voir et tous deux ont décidé qu'il régnerait sur Adelpha. Parle-moi de Feran. Je ne sais rien d'autre, Lulukai. J'aurais aimé pouvoir t'aider. Shamaz Mazoum devrait en savoir plus. Il est plus vieux que moi. Lui, déjà, pour lui, pas mal vieux, certainement le trouver au temple d'Eloui, à l'extrême nord du temple de Fée. Que peux-tu me dire sur le temple de Fée? À l'origine, les quatre temples des essences étaient identiques. Mais lorsque Feran a pris le pouvoir, il a décrété que le temple de Fée devrait être le symbole de sa toute-puissance. Il l'a fait reconstruire? Oui, maintenant c'est le plus grand de tous. Croax dispose de deux Daoka à l'intérieur du temple. Elle mène au camp militaire d'Oka Sankar et du Motazar. À ta place, je ne m'en servirai pas tant que les lieux ne sont pas sûrs. Il y a toujours des soldats de l'autre côté. Merci du conseil. En général, Croax est au temple de fée pour donner ses instructions aux soldats. Si le mode est bien là, ce ne sera pas facile. Parle-en à Zalinas, il doit être au village. Alors tu ne sais pas où est Narn? As-tu vu Ilot? C'est à lui qu'il faut demander. De monde, là. J'aurais aimé t'aider, mais je n'ai pas vu Narn depuis sa dernière visite. Son frère Ilot est dans les champs de riz, à l'extrême nord du village. Oh là, il y avait tellement de personnes. Le chamas qui m'a précédé le savait, mais il n'a pu me transmettre le secret du Mon avant de se faire réintégrer par Croax pour avoir aidé les gardiens. Narn croit savoir, et Zalinas a aussi une théorie intéressante sur le sujet. Dis-moi plus sur les essences. Je ne connais que les fondements. Il y a quatre essences. Fée, Eloui et Ganda. Elles sont liées à différents aspects de la vie. Pour les détails, va voir Shamaz Mazoum au temple d'Eloui. Moi, je débute et j'ai bien peur d'avoir beaucoup de choses à apprendre. Ah, le mec, il a 110 ans. Il a 110 ans, mais il sait rien. Parle-moi des Yods. Les Yods sont les créateurs de toutes les essences, Lukai. Ils contrôlent nos vies et nos destinées. Nous avons construit quatre temples au nord pour les honorer. Que pensent les Talan de moi? On ne peut plus dire s'ils t'adorent ou te détestent. Ok, pour l'instant, ma réputation est neutre. Donc ils vont pas trop m'aider non plus. Salut. S'il vous plaît, monsieur. Salut. Bonjour, Lulukai. Content de te voir. C'est qui? Bah, merci. C'est qui, lui? Je suis Zalinas. Ah bah, le Vlas, Zalinas. Oh bah, super. Ah bah oui. Tu sais quoi sur le temple de fées? Je crois savoir à quel endroit le mon y est caché. Ah bon? Où ça? Quand j'étais petit, j'ai essayé de libérer les ventilopes enfermées derrière la barrière au nord du temple de fées. L'une d'elles, une fois libre, m'a attrapé avec ses serres et m'a soulevé sur quelques mètres. Aïe. Non, c'était merveilleux. J'avais peur, mais je savais qu'elle ne me voulait aucun mal.
En survolant le temple de fées, j'ai remarqué une boîte noire dans la grande flamme sur le toit. Depuis, le temple est plein de soldats. Je n'y suis donc jamais retourné pour voir, mais je pense que c'est le monde que tu cherches. Ah, tu t'es libéré comment ? Elle m'a... comment dire ? Lâché. Elle ne l'a pas fait exprès, c'est un réflexe naturel. Ah. C'est quoi ces bestioles dans les enclos ? Eux, ce sont mes amis. On les appelle Twola. Parle-moi de ces tonkas. Les tonkas. Twola, Ulukai. À tes souhaits. Non, Twona. Ce sont les plus gentilles créatures d'Adelpha. Vraiment ? Oh oui, je préfère largement leur compagnie à celle des autres Talan. Je les comprends si bien. Bon, et à quoi ils servent ? En fait, avant l'arrivée de Feran, ils étaient à l'état sauvage. Maintenant, Feran les fait travailler aussi dur que les Talan. Je trouve ça très pénible. Alors pourquoi tu t'en sers aussi ? Comme ça, je suis sûr qu'on ne leur fait pas de mal en ces lunes de grande souffrance. Ils ont besoin d'attention et d'amour. Porter le risque les épuise. Tu es vraiment très attaché à cette Wanha, non ? Comment ça se monte, les Twan-A ? Je déteste me dire que les Talan montent dessus. C'est méchant. On va dire qu'ils aiment ça. Je fais comment ? Le mec, y'en a rien à foutre, quoi. C'est très simple. Ces créatures sont merveilleusement simples. Tu dois juste t'approcher par le côté gauche avec leur guide dans la main, et ils te laissent monter. Je n'aime pas ta manière de dire monter. Quoi ? Oublie. Et quand je ne suis pas dessus ? Ils essaient de trouver un endroit où manger, ou un plan d'eau où boire. Mais au moindre bruit un peu fort, ils s'enfuient si tu n'es pas dessus. Ah, ok. Donc pas si tu le perds de vue pendant un bon moment, reviens ici. Ils reviennent toujours à la maison. Tu vois, ce sont les plus adorables créatures que tu n'aies jamais rencontrées. Ah oui, un rêve. Dis-moi plus sur ce Guy. Comme tu veux, Ulukai. Qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est qui ce Guy ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est qui ce Guy ? Le Guy est un bout de tissu qui a trempé dans la sueur de la mer. Hein ? C'est une vieille chaussette sale ? Je ne connais pas ce mot, Ulukai. Lorsqu'un Twona sent cette odeur, il devient aussi obéissant qu'un enfant envers ses parents. Je ne connais aucun enfant obéissant. En tout cas, moi je ne l'étais pas. Voilà ce qui fait des Twona un des chefs-d'œuvre des Yod. La simplicité. C'est clair, si tu m'avais mis les vieilles chaussettes de mon père sous le nez, j'aurais jamais obéi. C'est dégueulasse. Dis-moi, Zelinas, combien coûte un de tes Twona ? Tu veux adopter un Twona ? Comme c'est gentil. Sais-tu pas mignon ? Combien ? Tu le traiteras comme ton propre enfant. Combien ? Et tu lui chanteras des berceuses. Oui, alors combien ? Et tu lui donneras son bain. Il faudrait vraiment une nana, Zelinas, et vite. Putain. Pourquoi tu dis ça, Ulukai ? Pour rien. Alors, Zelinas, combien ? Ah, le gros con. Cela ne te coûtera merde. Que quelques orkines. Combien ? Attendez, je sais plus. Combien ? Combien ? Combien ? Non, c'est trop cher. Merde. J'ai pas assez de thunes. De quelle tribu es-tu, Guy ? Il y a sûrement une ref, mais... Est-ce que je tabasse les autres branleurs, là ? Ils sont combien, les branleurs, là-bas ? Ils sont pas beaucoup. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ma clé. Non. C'est quoi le ubique ? Oh là là, mais on pige rien. Les clés. Regardez ça. Oh ! Comme c'est beau.
Oh, j'ai récupéré tellement de trucs. Bon, je peux tirer ou pas? Subtil la clé, ouais non non mais clairement hein. La clé qui fait 12 mètres. Une merdouille quoi. Une merdouille. J'ai 210 balles. Vas-y viens là toi, viens là toi, viens là. Autre. Non. Tu veux pas me parler de machin? Si, de Mar, vas-y. Excuse-moi mon gars. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Mar? Ce Talan est bête à pleurer, mais très dangereux. Ah. Mar ne se rend pas compte, mais à chaque fois qu'il pense à des Croax, il fait du mal à d'autres Talan. Bon, bah voilà, du coup, on sait. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais il y a... Oh là, putain, il est un peu sécos, lui, hein. Excuse-moi, mon gars. Ça va? Enfin, Uruk-hai est arrivé. Ah, mon père serait fier de savoir que je t'ai rencontré. Sans blague. Oui, Uruk-hai. C'était aussi un recréateur comme moi. Je m'appelle Klaas et je suis prêt à t'aider. Ah, merci. C'est quoi un recréateur, exactement? Nous sommes quelques rares Talan et Louis à pouvoir recréer de simples objets après les avoir étudiés avec notre essence. Ah, c'est le marchand, lui. Nous créons des armes pour les soldats de Ferran depuis des millénaires. Contre votre volonté, je suppose? En effet, Uruk-hai, pour te le prouver, je t'offre mon aide au nom de tous les recréateurs. Tu n'auras qu'à me montrer un des objets sacrés qui te servent de recharge et nous essaierons de le recréer pour toi. Comment t'es au courant de tout ça? Tous les Talan en ont, Uruk-hai. Nous les avons examinés et nous sommes capables d'en recréer certains avec des matériaux d'Adelpha. Si tu veux en savoir plus sur les recréateurs, va voir une à Okliana. Tu peux me fabriquer des armes? Désolé, Uruk-hai. Les armes que nous savons fabriquer doivent être activées par l'essence de Talan Fée, les soldats par exemple. D'après ce que je sais, tu ne possèdes pas cette essence. Tu ne peux donc pas les utiliser. J'aurais bien aimé... Ah, mais je ne peux pas. Pourquoi on peut pas utiliser les armes des autres, quoi? De quoi as-tu besoin pour me fabriquer des recharges? Apporte-moi juste un échantillon de ces recharges. Les recréateurs que nous sommes sauront alors ce dont tu as besoin. Nous te dirons quel est le matériau d'Adelpha qu'il nous faut pour les recréer. Tu peux fabriquer ça? Oui, Uruk-hai. Il faudra que tu m'apportes ces objets. Un lithium et un métal, ok. Tu peux fabriquer ça? Le truc énorme dans la main. J'en ai déjà vu, oui. Ah, c'est énorme. Apporte-moi ces objets pour que je t'en fabrique un conteneur entier. Le coquillage, le lithium et un métal, ok. Alors, l'aide. En quoi pourrais-tu encore m'aider? Tu sais que chaque région fournit des choses différentes à Ferran? C'est bien ce qu'il me semblait. En plus de te fabriquer des recharges, nous les recréateurs avons pensé à quelque chose. Ah oui, j'écoute. Si tu réussis à convaincre les chefs de chaque région d'arrêter de produire des marchandises pour les soldats, tu gêneras ceux qui t'empêchent d'arriver au Mon. Vraiment? Merci. Mark est dans ce village, par exemple. Tous les Talan le craignent parce qu'il suffit d'une critique de sa part pour qu'un Talan disparaisse jamais. Mais Mar est stupide et il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. Que puis-je faire? S'il acceptait d'arrêter la production de riz, tous les autres Talan suivraient volontiers. Mais il te faudra d'abord les convaincre, ainsi que Mar, que tu es bien Uruk-hai, celui qu'on attendait tous. Où puis-je trouver des coquillages? Seulement dans l'eau, Uruk-hai. Tu en trouveras sûrement près du temple de fées. Où
Où est-ce que je peux trouver du métal? Près des formations rocheuses en général. Bon, l'hélium vert, je trouve où? Dans les régions d'Adelpha, Ulukai. Ces cristaux poussent sur le sol comme des plantes. Ok, merci mec. Ce fut très instructif. Alors... tout ça c'est bien mignon, mais... là-bas il y a les soldats. Ah, j'ai tout épuisé. Hein. Ah mais non, mais maintenant il y en a tellement. Oh là là. Oh là là. Oh là là, il y a Otto qui joue pendant que je joue quoi. Je t'ai Excuse-moi, vu, hein. Mon gars. As-tu vu Ilot? Je crois il doit être au nord-ouest. Je le vois pas près d'ici. Ah oui, d'accord. Trouver les talanes, alors. As-tu vu une arme? Non, pas cette lune ou l'Okai. On m'a dit qu'il était furieux. Non, j'espère que seulement que les soldats ne l'ont pas réintégré. Ok. Saurais-tu par hasard où est Shamaz Mazoum? Je l'ai vu au temple d'Elouis, cette lune ou l'Okai. Va assez loin au nord du temple de fées et tu le trouveras. Ok. Je cherche Zéo. Il est au puits aux essences. Va voir à l'extrême nord-est du temple de fées. Tu n'aurais pas vu Claf dans le coin? C'est lui là-bas. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est le mec dans le mur. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est le mec dans le mur. On peut se voir un instant? Est-ce que tu as vu Zalinas? La dernière fois que je l'ai vu, il était au sud. Tu dois marcher beaucoup. Sais-tu où Emma? Tu cherches ce talent-là. Hop, il me le montre. Oh là là, génie. C'est du génie. Je les ai tous fait ou pas? Je peux te poser une question? As-tu vu une arme? Non, pas... Ah, il était furieux, ouais, ça je l'ai déjà fait. Zéo, je crois pas. Je cherche Zéo. Il est au puits, aux essences. Ah si, j'ai déjà fait. Zéo, Zalinas, Ilot, Zeb, Mark, Las, Mazoum. Ouais, non, c'est bon, j'ai tout fait. Ok. Il m'a dit tu cherches celui-là. En montrant par ici. Bon, on va tenter un genre un truc. Je suis peut-être fifou. Mais paf. Hop. Voilà, merveilleux. Et on va essayer de les buter, eux. On voit rien, par contre. Il est à mes pieds là, il flippe.
Toi tu vas avoir mal toi. Allez, un de moins. Merde. Allez. Deux. C'est ouf. Il essaie de se barrer ce con. Ah, il était pas mort lui. Putain, mon premier combat quoi. Allez. Ah, salut les gros nuls. Ah, il est pas mort lui. Et voilà. Quand même, à un moment, faut mourir. Hop. Faut que j'aille parler à machin là qui a peur. Ah mais je suis gentil. Ah merde c'est c'est bidule. Il a flippé. Et là j'ai récupéré de la dynamite. Hop. Ça fait rien là-dessus. Ok. Le petit tonneau. Je peux pas avoir le tonneau. Allez. Non. Non le tonneau il veut pas. Ça vise le tonneau. Vise le fucking tonneau. Bon. Il veut pas. Bon. Ok. Voilà. Je tombe. J'ai tombé. Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est ? Oh mais là il y a des trucs aussi. Ah putain. Non les araignées. Ok, il y en a encore une, je crois, non? Voilà. Merde, non, non, il y en a encore une. Putain. Alors, je gagne quoi là? J'ai gagné du machin, je sais pas ce que c'est. Hop, je range mon gun. D'accord, je vais prendre ça. Tellement besoin de ressources. Merde, les araignas.
Elle me crache dessus. Elle me crache dessus l'araignée. C'est pas très sympa. Il y en a une là, regardez. Moi, elle se planque. Oh, ce carnage que je fais, quoi. Pauvres petites araignées. Alors, je peux voir la petite photocopieuse. Donc là, c'est les branleurs. Allez, hop, hop, ah, ça disparaît, ça revient. Ça marche. Ah, mais faut que j'arrête ça, ouais. Ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe? Merde, il m'a vu. Lui, je crois, il m'a vu. Allez, un de moins. Parfait. Merde, ils ont sonné l'alarme ou quoi là? Ah oui, il y en a un là. Hein? Ah merde! Il y en a un en bas. Oh, il m'a cassé la gueule. Faut que j'essaie de pas viser ceux qui sont derrière, quoi. Voilà. Allez, meurs. Meurs maintenant. Coucou Séverine. Je tue des gens. Je tue des gens dans le jeu. Mais ils ont mérité. Et meurs. Et meurs à la fin. Ah, dis donc. Attendez, il y a l'autre qui m'a vu là-bas aussi en face. Merde. Ah merde, ils sont pleins. Ils sont pleins là, ils sont beaucoup. Allez, ça a pris plein la gueule toi. Hein. Voilà, barre-toi, ouais, c'est ça. Ouais, viens, 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 viens. Ouais, viens de battre. Elle vient de battre. Viens de battre.
Et bah des bisous Malzekiel, merci beaucoup d'être resté, parce que du coup t'as pas trop discuté, mais a priori tu étais là. Non 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 non, pas le copain, non 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 non, pas le mec derrière, oh non, mais non mais non, mais pourquoi, pourquoi moi commandant Cousteau? J'ai pas voulu. Promis, j'ai pas voulu te faire du mal. Oh merde quoi. C'était pas voulu. Ah mais y'a un enfoiré. Oh là là, ils sont partout. Putain mais... T'as mis une infinie sale connard. Voilà, merci. Là je vais pouvoir choper tellement de trucs. Voilà. Trop bien. Allez, meurs. Merci. J'aime pas les bêtes. Exactement. Hop. De la végétation inconnue. Il est où l'autre rouge? Là, il y a un rouge. Il y a un rouge sur ma carte. Il est où? Voilà, il vient de mourir. Donc c'est bon, j'ai buté les méchants. Je vais quand même ranger mon gun pour pas leur faire peur là. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Bon, 23h30, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première session. De toute façon, voilà, ça va devenir... du coup, raconte-moi, c'est quoi le jeu? Eh ben, c'est un jeu... c'est Outcast, bah, dont je t'ai parlé en plus, Outcast. Là, je vais sauvegarder grâce à ma pierre. Je t'en ai parlé à Outcast, donc vieux jeu, et là je joue vraiment à la version recompilée pour les nouvelles machines, mais et c'est vraiment exactement comme le jeu d'origine. Voilà, avec une résolution plus grande. Oh, mais regardez-moi ça, ces décors. Regardez-moi ces petits décors, quoi, avec les deux lunes là et tout. Ah oui, c'est vrai, et ben voilà, donc c'est ça Outcast. Hop. Allez, sur ce. Paf. Do you really want to quit? Par contre, c'est une catastrophe. Voilà, j'espère que ça va pas rebugger la prochaine fois que je vais le lancer. Hein.